C'était mon deuxième, je crois, mon deuxième film. Et vous étiez rencontré dans quelles circonstances ? C'était au festival de Jacques Daniel, tu sais. Ouais. Voilà, donc nous en arrivons à la séance en hommage à Vincent Dieutre, notre président du jury, animateur du jury et invité d'honneur. Voilà, alors la séance, on va voir le film de Vincent Dieutre qui s'appelle Jaurès, donc il va dire quelques mots vraisemblablement. Et juste avant, on va voir le cinématon. Un vrai cinématon de Vincent Dieutre que Gérard Courant a tourné donc en 1999 au Frénois, c'est ça ? Voilà, ça doit être ça. Donc, je vous passe le micro. Une nouvelle fois, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le film, puisque vous allez le voir et que je pense qu'il nous restera un petit peu de temps pour en parler après. Mais je dois dire que pour moi, la carrière de cinéaste a commencé à partir du moment où j'étais rentré dans le monde de Gérard, parce que c'est l'air de rien, je pense que tous les... Voilà, c'est un peu s'inscrire aussi dans une dynamique, c'est un peu comme placer la barre. Et donc c'était très important pour moi à l'époque, c'était mon deuxième film, je crois que je le montrais au Frénois. Je suis passé dans le viseur de Gérard. Et après, j'ai pu montrer aussi, parce qu'il fait énormément de choses, un film de lui que j'aime beaucoup dans le cadre des projections que nous faisons à Paris, qui s'appelle Pointing Plan, voilà, qui ont lieu chaque mois. Et donc, pour ce qui est de Jaurès, juste dire qu'il a probablement toute sa place ici, dans la mesure où ce n'est pas un film que j'ai, pensé, écrit, on cherche des sous, on le fait. Hein. C'est vraiment un film qui s'est fait totalement de façon rétrospective, c'est-à-dire que je me suis vraiment retrouvé avec certaines images, avec l'envie de raconter cette histoire au travers de ces images qui m'en restaient, et que c'est après qu'un producteur donc, a pris la balle au bon et que le film s'est fait, et j'ai été moi-même très heureux de pouvoir le faire, et ensuite de l'écho que le film a pu avoir, puisqu'il a voyagé pas mal, il est passé à la télévision, etc., ce qui est assez rare pour ce type de films, qui sont souvent des films difficiles à faire rentrer dans le champ du cinéma de marché. Et donc, voilà, il est ici, là, un peu à sa place. C'est un peu, vous le verrez, un film de chambre aussi, hein, très fait dans un espace minuscule. J'ai fait des films en Italie, à Chicago, en Argentine. Et là, on est vraiment à la station de métro d'à côté. Et puis... donc dans un monde qui pour moi était beaucoup plus familier et raconte une période assez longue, même si j'ai concentré l'histoire sur un an. Et donc je serai très heureux d'en parler avec vous après. Et c'est aussi donc une façon de contester un petit peu une certaine économie du cinéma. On est bien placé ici pour en parler, de montrer qu'avec d'autres armes, d'autres types d'approches, et de construction, de penser vraiment à ce qui pour moi est vraiment du cinéma, mais avec les moyens les plus humbles. Parce que aussi, il y a des gens qui, on le sait, n'ont pas la possibilité de s'exprimer, et que c'est bien en tant que cinéaste parfois de prendre en charge cette... voilà, de se confronter un peu au problème de la valeur, du travail, l'égalité presque, ou de la légitimité à faire des films. Je crois que ce film-là, pour moi, était une espèce de manifeste dans ce sens-là, d'essayer de penser le cinéma différemment. Et ça entraîne aussi donc de penser aussi comment le spectateur peut voir les films différemment, comment est-ce qu'on pourrait les diffuser différemment, et voilà, tout va avec. Il ne s'agit pas seulement de critiquer une branche de la société, mais de la remettre en cause intégralement
du fabricant jusqu'à ceux qui vont le voir. Donc j'espère que ce film va vous toucher et qu'on en parlera après. Voilà, à tout à l'heure. La fille qu'il y a dans le film d'animation. C'est comme souvent des processus qui mélangent une envie et puis des nécessités, etc. Donc on est parti un moment dans l'idée que les images étaient un peu difficiles à utiliser pour des raisons de qualité d'une part, et puis d'anonymat des gens, voilà, et puis surtout des Afghans. Et en fait, on s'est rendu compte que l'image faisait qu'on ne les reconnaissait pas, etc. Mais bon, j'étais parti un moment sur l'idée de traiter complètement toutes les images du film, enfin des images que j'avais tournées avec ma DV, en animation, c'est-à-dire de les passer dans un logiciel qui les rend graphiques. Un petit peu dans l'idée des miniatures persanes, enfin de faire quelque chose qui soit beaucoup plus de l'ordre de la... un peu comme dans la mémoire, quoi, des choses qui soient un peu légendaires, comme ça, comme des bandes dessinées, enfin la ligne claire. Et puis, en montant, d'abord il s'avérait que c'était assez compliqué à faire, et puis on a commencé à travailler donc sur cette idée avec un artiste, donc... dont le nom m'échappe, là vous venez de le voir. Guillaume Dimanche, voilà, avec qui je viens de retravailler en plus sur un autre projet. Et donc Guillaume m'a dit, mais ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est, parce que ce qui frappait quand on voyait les rushs dans leur totalité, il n'y avait pas énormément, enfin j'avais 2h30, 3h de cassette. Et il me disait, mais ce qui est très frappant, c'est que comme c'est dans un lieu assez petit comme ça et qu'on voit régulièrement, il y a beaucoup d'objets récurrents, c'est-à-dire des choses qui viennent et qui reviennent, etc. De temps en temps, on pourrait, au lieu de tout traiter en animation, souligner comme ça un élément du décor. Et donc on est parti sur cette idée, et effectivement, on a souvent au départ, on a commencé, alors voilà, on s'est piqué au jeu après, on a commencé à traiter les animaux, bon, vous avez vu donc le pigeon, des corbeaux, d'autres pigeons qui passent comme ça, quelques feuilles mortes, et puis une voiture, enfin des choses qu'on retrouvait comme ça dans le film, et puis en tirant le fil une nouvelle fois, je me suis dit que ça pouvait être aussi un élément d'émotion, et par exemple... moi, j'aimais beaucoup l'idée de cette pluie de manga, presque, qui tombe à un moment sur la scène. Enfin, vraiment, de se laisser aller plus que d'une idée comme ça, conceptuelle, qu'on aurait appliquée partout, d'en faire quelque chose de plus impressionniste, un peu à la façon de Proust, c'est-à-dire de prendre un élément comme ça qui revient et puis de le figer un moment graphiquement et que ça vienne rythmer comme ça le passage du temps qui est grainé dans le film. Et comment vous avez proposé à Eva Truffaut de procéder, c'est-à-dire avant que vous alliez dans cette salle, vous lui avez dit... Enfin, comment, est-ce qu'elle savait un peu ce qu'elle allait faire, ou ce qui allait se passer, ou comment ça s'est passé, le fait de lui dire comment ça pouvait se passer entre vous deux, quoi, en voyant le film? Oui, donc ça, c'est aussi un procédure. Donc Eva est une amie très très proche. Elle est aussi, comme son nom l'indique, une fille de cinéma. C'est-à-dire qu'on peut, avec elle, faire un peu du vrai, faux, vrai, enfin, ce sur quoi je travaille, d'ailleurs. Dire que c'est la fille de François Truffaut, et elle a participé à pratiquement tous mes films depuis le début, faire des voix, jouer parfois, ou m'aider même comme assistante. Et donc, c'était là ce qu'on avait, c'est, alors la chose aussi, c'est comme c'est une amie très proche, elle a connu Simon, hein, donc elle connaissait l'histoire, c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment joué, c'est aussi une chose tout à fait réelle, et... elle est même l'une des rares personnes de mon côté, hein, que Simon a rencontré.
Et donc, quand j'ai commencé à avoir cette idée d'organiser une espèce de visionnement, j'ai fait un ours. Donc, on a choisi, je vous dis, à peu près 2 heures hein, dans tous les plans qu'on avait. Et puis, on a trouvé une journée où tout le monde était libre. Là, c'était un dimanche, je me rappelle très bien. Et on est arrivé le matin et on a fait un visionnement comme ça de l'ours. Et je lui ai demandé de noter un peu des questions qu'elle aurait envie de me poser, non seulement par rapport aux Afghans, mais aussi par rapport à Simon et à l'histoire. C'est-à-dire qu'on a un peu piloté. Après, donc on a regardé tout, on a vu un certain nombre de possibilités d'entrer dans un dialogue. Et ensuite, on a recommencé toute une projection en abordant ces questions l'une après l'autre et en improvisant. Et c'est au montage, après, alors là où moi j'ai tout remis parfois dans un ordre complètement différent, comme ça, en respectant l'ordre était déjà un peu établi, puisqu'on était parti sur l'idée d'un automne jusqu'à un autre automne, c'est-à-dire l'année de ce camp-là, la dernière année. Et on a monté, mais j'ai beaucoup taillé dans les questions, les réponses, sachant que comme Eva, justement, il y avait aussi une autre donnée qui demandait à quelqu'un d'avoir quand même une certaine expérience du cinéma, c'est qu'il ne fallait absolument pas prononcer le vrai nom de Simon. Maintenant, j'ai pris l'habitude de l'appeler Simon, il ne s'appelle pas du tout Simon. J'avais changé un certain nombre de choses, et il fallait évidemment qu'Eva joue le jeu. C'est-à-dire que tout est vrai, si vous voulez, mais j'ai déplacé un peu tout le contexte. Enfin, bon, exemple, c'est pas dans le Berry, la maison, c'est ailleurs. Voilà, parce que évidemment, il s'agit, vous l'aurez bien vu, d'un film qui n'est pas un règlement de compte. Hein, il ne s'agissait pas de faire un film qui juge Simon ou quoi que ce soit. Donc, il fallait comme ça, et évidemment, ça, on pourrait dire que ça entamait un petit peu la spontanéité du dialogue, mais justement, avec Eva, c'est possible. C'est-à-dire qu'on avait bien fixé un certain nombre de règles, justement, de bien apprendre à dire Simon. Alors, une fois ou deux, le vrai prénom est sorti, mais on a coupé, justement, au montage, quand on était un petit peu des possibilités. Et puis, alors, c'est une anecdote que je trouve amusante, c'est assez typique de ce genre de travaux. Vous savez, pour les sons au montage, on fait des petits sacs comme ça, des petits dossiers à part avec des sons qui nous sont nécessaires. Et j'avais fait tout un sac de « mais », choses comme ça, pour pouvoir articuler tout ensemble. Alors, il y a beaucoup d'hésitations qui maintenant paraissent, enfin, j'espère, assez naturelles dans le flux et qui sont complètement construites. Ce qui me permettait aussi d'éluder certaines de ces questions, parfois de les laisser proférer, de les laisser sans réponse, de jouer sur des silences, enfin, c'est un peu comme de la musique, quoi. On a vraiment composé, mais j'avoue que on est à la fois dans une grande sincérité, c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment parlé de ça, Eva et moi, et en même temps dans quelque chose de très construit. C'est pas tellement la question de l'hypocrisie, enfin, surtout des sons, c'est un monument de fausseté, enfin, à tous les niveaux, mais ça c'est presque un détail. Ce qui est frappant, c'est à quel point tout, parce qu'ils sont restés, il y en a encore hein, dans le quartier de la Gare de l'Est, mais ils ne sont plus dans ce campement-là, c'est le décalage entre le discours officiel, cette espèce de froideur, voilà, 200 Afghans, dont des vrais demandeurs d'asile et puis des pas vrais, de retourner tout le truc, toute l'évacuation du camp comme étant un acte d'humanité contre le trafic d'êtres humains. Enfin, il y a une espèce de dialectique comme ça d'État qui me paraissait faire partie de... Oui, d'une espèce de... Enfin, je tenais à ce que ça apparaisse, puisque tout ça est fait aussi au nom de l'identité nationale, c'est de montrer à quel point le pouvoir, en tout cas les instances, sont loin de cette
réalité, j'allais dire quotidienne. Et une nouvelle fois, j'insiste, c'est pas un film misérabiliste. Je ne pense pas que... j'avais beaucoup vu, on voit beaucoup à la télévision les réfugiés, etc., toujours tête basse, comme ça, montrés comme des victimes, ce qui est peut-être nécessaire au niveau d'une certaine prise de conscience pour les gens, mais quand on les voit au jour le jour, on change complètement le regard, ça devient des gens, alors il y en a un qui est beau, l'autre moins, il y en a un qui est très intelligent, enfin, tout devient une réalité, et cette espèce d'arrêt, pour moi, c'était un peu comme un couperet comme ça qui tombe sur ce quotidien, parce que ça traînait comme ça pendant des années, et puis en une nuit, c'était fini, quoi. Il n'y a plus rien. Et maintenant, évidemment, j'ai hésité d'ailleurs à mettre ça dans le film, comment c'est maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont tout fermé avec des grillages, presque murés, comme si on voulait annuler la possibilité de se nicher dans cet endroit. Donc c'était, voilà, pour moi c'était très important qu'il y ait ça, et la petite Maria, puisque tout ça est fait au nom de la République. Donc c'était assez important, tout en moi ne me mettant jamais dans une position militante, c'est-à-dire que ce n'est pas un film sur les réfugiés. Moi je travaille non pas l'autobiographie, parce que je dis effectivement la mémoire, la mise en forme, etc., sont un travail qui fait peut-être que le vécu réel de tout ça est très différent, ne serait-ce que dans le temps, il y a une condensation, mais me touche particulièrement les endroits où l'histoire, le général se frotte comme ça à la cellule intime, c'est comment les grands événements, les grandes décisions, le pouvoir comme ça vient mourir vraiment dans la chambre, pas dans les corps même parfois. J'avais fait un film sur l'Allemagne et je parlais beaucoup des cicatrices que les gens avaient, etc., de la guerre ou justement de dyslexie, enfin dû au bombardement. Je trouve que c'est là que je pense qu'on peut échapper d'une part à l'idéologie dans toutes ses dimensions. Essayer de reprendre à zéro à partir de 8 mois, enfin le prochain, mon prochain, enfin, pas l'autre, justement, le prochain, le semblable, pas le même, justement. C'est tout ça, c'est des choses qui sont pour moi très importantes, même si il est assumé dans le film qu'il y a même cette vitre hein, qui sépare, qui est presque comme un écran, d'ailleurs, hein, entre moi et le monde extérieur, mais c'est pas le monde des Afghans, c'est aussi le métro au-dessus, c'est... Tout ça s'imbrique, toute cette réalité s'imbrique, et l'idéologie, c'est de séparer toutes ces choses. C'est la fameuse séparation de deux bords, et je trouve que c'est très important aujourd'hui, plutôt que d'essayer de raconter une histoire qu'on a, de rendre cohérente une dramaturgie comme ça des immigrants, d'essayer de rendre compte de l'expérience réelle dans ce qu'elle a de discontinu, de fragmentaire, de plusieurs récits qui se mélangent, parce que je pense que l'expérience d'aujourd'hui, l'expérience qu'on pourrait dire postmoderne, elle est comme ça. Elle est fragmentaire, elle est pleine de couches, elle est en mille feuilles, elle est... Voilà. Et plutôt que d'essayer de simplifier et de tout ramener à la dramaturgie, on va dire, du type théâtral du 19e siècle, qui est encore celle qui règne sur le cinéma, c'est vraiment de se confronter tout de suite à l'aspect hybride des images, où se mélange justement le discours du pouvoir, le collectif, l'individuel, enfin tout ça, voilà. Tout ça vient s'éclater en plein de petites choses et d'essayer d'en faire une forme qui soit, on va dire, à la hauteur ou capable de rendre compte de cette expérience plutôt que d'en revenir toujours au discours. Mais évidemment, je comprends qu'on puisse avoir un petit malaise par rapport à ça, parce qu'on est tellement habitué à voir ces situations à la télévision, à être forcément pour ou contre, d'être toujours dans une position d'avoir un choix, d'avoir une alternative. Et finalement, le seul vrai choix que j'ai eu, moi, c'est une fois qu'on est devant. C'est comment on vit avec ça, mais au sens réel du terme.
Moi, je voudrais dire une petite chose qui n'est pas une question, mais c'est une réflexion qui vient de me venir par rapport à tout ce qu'on a vu depuis hier et puis et aujourd'hui. C'est qu'il y a un fil secret semi-secret, qui relie beaucoup des films qu'on a vus ici. Et déjà, par exemple, rappelez-vous, ceux qui ont vu Notre Village, comment s'appelle l'abbé qui a tourné les images à Tailly en 1950-51, il s'appelait l'abbé Simon. Et là, on n'a pas encore tout à fait terminé, mais je dis, on rebondit sur un autre Simon, et on est passé par quelqu'un qui ne s'appelle pas Simon, mais qui s'appelle Jafar Panahi. Et je pense qu'au moins dans ces trois films, il y a un travail cinématographique de quelqu'un qui regarde le monde qui l'entoure, qui regarde et puis qui pense le monde qui l'entoure, on va dire. Et les trois. Et alors ça me fait plaisir parce que, enfin, ça me fait plaisir. Je me jette des fleurs, on va dire, parce que je pense que dans le domaine du cinéma et de l'autobiographie, il n'y a pas seulement des films de famille, des films nombrilistes, etc. Il y a des films qui assument leur position de résistance ou d'essayer de comprendre le monde tel qu'il va autour à partir d'une vision individuelle, comme celle de l'abbé Simon, comme celle de Jafar Panahi en Iran, comme celle de Vincent Dieutre devant les Afghans de Jaurès. Et on pourrait y ajouter aussi peut-être le film de Nathan Hofstetter, Radioactif, qui est, bon, évidemment, qui est extrêmement différent, mais il y a une chose très, très, moi, qui m'a vraiment très, très étonné quand j'ai vu le film, et qui continue de m'étonner à chaque fois que je vois le film, c'est cette manière, dans son délire psychotique, de se sentir envahi par les images de la télévision. Je veux dire, on a tous expérimenté ça, mais de façon saine, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi. Hein. Mais chez Nathan Hofstetter, ça se transforme en une crise psychotique parce qu'il est incapable de mettre une vitre, hein, entre lui-même et le monde de la télévision. La vitre de la télévision a explosé et du coup les deux univers se mélangent. Enfin, je sais pas, enfin, non, puis le fait que, enfin, je pense que effectivement tout ça résonne. Je pense que ce qui est frappant dans le film de Panahi, c'est que lui est plutôt quelqu'un qui est dans la fiction normalement et qui est contraint à cette. Moi, c'est plutôt quelque chose que je revendique. Parce qu'il y a aussi ce continent d'images, justement, de ce qu'on pourrait appeler la fiction, ou que d'abord appeler le spectacle, qui est là, qui est omniprésent, et le réalisateur aujourd'hui n'est plus justement obligé de rentrer dans ce système de l'identification, de la dramaturgie, qui finalement est assez rassurant et assez... qui fonctionne, c'est-à-dire que les fictions sont souvent très critiques, mais changent peut-être moins le contrat spectateur que ce type de film à la première personne, parce qu'il ne joue pas le jeu, justement, de cette espèce de distance, hein, un petit peu comme il y a eu les Brecht au théâtre. Maintenant, je pense que... Et il y a aussi la réalité technologique, c'est-à-dire que plus le spectacle est armé en force de frappe, de diffusion, de promotion des blockbusters, etc., plus les cinéastes, on va dire, qui prennent ce parti de la pauvreté, un petit peu comme Alain Cavalier, on parle souvent de lui ici, mais voilà, on a aussi maintenant des armes qui sont ces petites caméras. Il faut savoir que, bon, parfois c'est arrivé, notamment dans le monde du documentaire, qu'on me parle de droit à l'image, etc. Bon, d'abord, on a quand même le droit de filmer par sa fenêtre. Après, ce qu'il y a devant, ça ne dépend pas de moi. J'ai le droit de ne pas le filmer. Mais je peux aussi montrer, voilà, ça arrive, c'est là, c'est à Paris, c'est chez nous. Et il faut savoir aussi que des caméras, de toute façon, il y en avait plein. Ils étaient filmés toute la journée par je ne sais combien
Et vous l'êtes aussi, bon, peut-être moins ici, mais en tout cas à Londres, par exemple, on est filmé 300 fois dans la journée, n'importe qui, n'importe quel individu. Donc voilà, il faut savoir aussi que on a la possibilité, mais alors, ce qui est très difficile, c'est d'échapper à ça. C'est un peu comme les gens qui disent, moi, je ne veux pas avoir Internet ou pas avoir la télé. On peut se mettre comme ça dans une espèce d'îlot et de faire comme si de rien n'était. Mais on a maintenant la possibilité aussi de mettre d'autres images comme ça en réponse à cette espèce de réel imposé, de film général dans lequel on est invité à participer, mais on peut y participer de manière active et pas forcément comme figurant. Hein. Georges Lidium Obermann parle de ça, des peuples figurants et des peuples exposés. Et donc il y a ça, il y a cette façon, on en parlait justement à propos de l'Iran, tous ces films qui ont été faits sur Facebook, tout ça, bon, je ne dis pas, il ne s'agit pas de s'émerveiller et de dire, c'est voilà, mais c'est possible, c'est-à-dire que maintenant on peut renvoyer des images aux images, c'est-à-dire de faire une espèce de feedback comme ça, et la responsabilité des cinéastes dans tout ça, justement, notre légitimité d'artiste est questionnée par ça, parce que puisque maintenant pratiquement tout le monde peut faire un film, qu'est-ce qui fait qu'un film à la première personne va être plus artistique qu'un autre, enfin je sais pas comment dire, quelle est ma... Et moi justement c'est ça que je travaille, c'est de voir ce que moi je peux ajouter par une certaine expérience, par une façon de cadrer, de monter, de monter les sons, de travailler le rapport entre l'image et le son, qui fait qu'on n'est plus dans une forme qui soit juste de l'ordre du témoignage ou du symptôme, mais aussi dans une proposition, une contre-proposition au marché qui soit intéressante et éventuellement viable, c'est-à-dire qu'il puisse aussi apparaître dans ce marché lui-même. Là, ça devient intéressant. Et donc, c'est une ligne de force du cinéma actuel. Je crois que les films à la première personne, évidemment, une fois qu'on aura justement travaillé un peu cette question du nombrilisme, qu'est-ce que ça veut dire justement? Est-ce qu'à partir du moment où on parle de soi, ça veut dire qu'on ramène tout à soi? Je ne pense pas. Moi, je crois au contraire que c'est une espèce d'humilité, parce que souvent les régimes de fiction sont préexistants, c'est-à-dire qu'ils ont une histoire, ils sont entachés de plein de choses, hein, sans parler de l'idéologie, etc. Donc, et je pense que après ce qui s'est passé au XXe siècle, hein, ce qu'on a fait avec les images, c'est très important de repartir du corps, quoi, de soi. Justement, c'est pas aussi... Zoé a fait un film où elle parle du rapport avec son corps, hein, d'être comme ça, de se tenir droit quand même, justement. Et c'est... Voilà, tout ça, c'est très très lié. Alors évidemment, c'est pas toujours sous le régime de la souffrance ou de la maladie, ça peut être aussi de la jouissance. Enfin, il y a beaucoup de choses maintenant qui se joue dans les images comme ça, et je crois que c'est très important, plutôt que de parler d'une anarchie, d'un chaos ou d'une fin de quelque chose, d'en faire aussi une aube, enfin quelque chose de nouveau dans le rapport qu'on va avoir avec les, même plus avec les images, mais avec les flux d'images, quoi, qui nous sont de toute façon imposés. Au départ, vous avez filmé parce que à chaque fois, vous saviez pas ce que vous alliez faire des images. Non. Bah, l'idée, c'était un petit peu. Je me suis rendu compte après que. Au départ, il y avait ce qui se passait devant. C'est surtout quand on a commencé à voir cette histoire de porte fermée et qu'ils étaient obligés de passer comme ça en rappel au-dessus de l'eau. Sur cette lame de rasoir, là. Et donc, comme Simon était dans cette association, etc., je dis, ben attends, on va quand même montrer. Et puis, on a continué, et puis la caméra, je l'ai laissée allumée, j'ai commencé à filmer d'autres choses. Et parce que tous les jours, il en arrivait, il y avait la police, donc, etc. Donc, c'était un petit peu dans l'idée d'archiver l'histoire, éventuellement, pour une cause militante, on va dire, enfin, pour l'association. Bien que moi, je ne l'ai jamais fait, mais je pensais le donner à lui. Et puis, après, je me suis rendu compte aussi que c'était une façon de légitimer ma présence encore un petit peu là.
C'est-à-dire que je... ça me donnait une raison d'être là supplémentaire, alors que je sentais déjà que ça m'échappait. Donc évidemment, tout ça, à l'époque, je ne le formulais pas du tout. Mais il est vrai que j'ai filmé assez régulièrement. À chaque fois, même à un moment, j'avais carrément laissé la caméra sur le pied. Et comme ça me faisait une raison. Ah ben oui, il faut que je récupère la caméra, que j'aurais toujours une raison de revenir. Mais ça, je l'ai compris après. Mais au départ, c'était un petit peu dans l'idée de... C'était pas par rapport à votre histoire d'amour. Et donc, finalement, ça permet de nous raconter aujourd'hui cette belle histoire intime. Avec oui. Ce regard, oui. Mais la caméra, j'avais tourné vers l'intérieur. Ah oui. Non, parce que justement, Simon ne voulait pas, et je n'avais pas de photo de lui, il n'était pas... Donc ça changerait tout, je pense. Ah ben bien sûr, ça serait... Quoique, si on regarde bien, on voit parfois des reflets, comme ça, enfin moi, le... Et puis bon, la présence, évidemment, c'est le son, hein, puisqu'on l'entend chanter, enfin, faire la vaisselle... Voilà, on sent qu'il y a quelqu'un dans ces images, et ça, évidemment, c'est peut-être ça aussi qui, moi, quand j'ai commencé à les revoir, me touchait tellement. C'était le mélange des deux situations, et sa présence hors champ. Mais dans le son, c'est une vraie présence, parce qu'il y a l'image, mais il y a aussi le son. Même si je n'ai pas gardé beaucoup de paroles de Simon, dans la mesure où là aussi il a une voix très particulière, je voulais pas qu'on puisse le reconnaître, mais il y a des moments où oui, je n'ai pas pu résister, justement quand il dit je suis fatigué, ça sert à rien, etc. Là c'était des choses qui moi me touchaient tellement que j'ai gardé, je l'ai consulté et on les a laissées. Hein, mais au départ, oui, il n'y avait pas en tout cas le projet de Jaurès, d'abord parce que je ne savais pas qu'il se fasse. J'espérais que ça ne s'arrêterait pas. Et puis, c'est même 6 mois, 1 an après que j'ai commencé, un peu par hasard, selon ça, un producteur m'a vu regardant ces images, il a dit, mais tu ne crois pas qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire, etc. On est souvent... les films comme ça sont souvent le résultat aussi de rencontres des autres qui vous disent vas-y, qui vous poussent un peu. Et puis Eva après, et puis le monteur, etc. Puis ça finit par exister. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être passer au palmarès à ce moment-là. Peut-être ouvrir les portes. D'accord, bien sûr. Un petit break, et puis ouais, je reviens pour d'autres fonctions. Là, on est le soir ou on est le matin? J'arrive pas à comprendre. Non, c'est le petit matin. Oui. C'était toujours lui qui préparait le petit déjeuner, non? Ouais. Ah ouais. Il fallait toujours qu'il me ramène à un statut de quelqu'un de complètement inadapté à l'existence, qui est d'ailleurs relativement vrai. Et on prenait le petit déjeuner, là, devant la fenêtre, et puis... Ouais. Simon, il regardait toujours tout ça, il appelait ça son petit théâtre, parce qu'effectivement, on voit le métro en haut, les gens en dessous, les voitures, et encore en dessous, le monde un peu caché des petits Afghans, c'était vraiment comme un monde en coupe, avec ses différentes strates. Donc on arrive à la dernière étape de notre manifestation avec la proclamation donc, du palmarès et puis le dernier film, donc le film de Sacha Guitry, Le roman d'un tricheur. Voilà, avant de passer vraiment à la proclamation du palmarès, je voudrais, comme c'est l'usage, adresser les remerciements traditionnels donc, aux personnes qui nous ont aidés et soutenus. Et donc,
avant tout le monde, même si ce n'est pas tout à fait usage. Je voudrais dire un très très grand merci à toute notre équipe de bénévoles qui sont en train de rentrer discrètement dans la salle, qui ont bossé comme des fous et comme des folles pendant ces deux jours, et puis aussi pas mal avant, parce que ça ne s'est pas fait uniquement en deux jours. Et voilà, donc merci beaucoup à vous tous. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là non plus. Voilà. Merci, je pense que tout le monde peut les applaudir. Il faut préciser une toute petite chose, c'est que l'association Petite Lanterne ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Alors, je voudrais saluer ici la présence donc, de Madame Proutot, conseillère régionale, et je vais d'ailleurs lui céder la parole dans quelques secondes. Les gens qui nous ont aidés par des dons, alors bon, par exemple les prix qui vont être attribués nous ont été offerts. Alors, il y a Super U qui nous offre un prix, puis qui vous a offert un buffet à midi. J'espère que, enfin, je sais pas, vous deviez être là à peu près tous. Je remercie aussi donc notre banque, le CIC, qui a fourni les affiches. Je voulais le redire parce que je crois que ça va être important pour nous dans l'avenir, le lycée Tabarly, donc avec lequel nous avons entamé une collaboration qui va se poursuivre dans très peu de temps, puisque le 9 octobre, nous allons faire notre premier atelier de l'année, troisième saison, comme on dit dans la télé, notre premier atelier donc au lycée Tabarly. Je vais en parler tout à l'heure. Je dois d'abord céder la parole peut-être à Madame Proutot si elle souhaite dire quelques mots. Merci. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, dans le désordre. Oui, j'étais là hier et ce soir, j'ai pas pu voir les courts-métrages, mais j'ai beaucoup apprécié, j'étais très intéressée hier soir par le film « Ceci n'est pas un film », par la problématique qu'il soulève, évidemment, de l'enfermement, de la possibilité de travailler pour les artistes, qui est de la condamnation absurde, cruelle, à 20 ans, d'impossibilité à exercer son art. Je trouvais ça m'a beaucoup touchée, comme m'a beaucoup touchée ce soir votre film, qui est très beau, très émouvant, très sensible, et dont je vous remercie. On sait bien que les artistes portent un monde dans leur tête. Vous portez votre regard sur le monde autour de vous. Ça nous permet d'avoir une approche de ces camps dont on est très éloigné, et encore plus bien sûr nous dans nos régions, puisque heureusement pour nous, peut-être vous en remercie, enfin quoi que, on peut vous en remercier. Merci beaucoup. Alors pour ce qui concerne le soutien de la région à la Petite Lanterne et au festival OFF auquel nous assistons, je suis très fière bien sûr de représenter la région ce soir, ça me fait très plaisir. Moi j'aime beaucoup le cinéma, je ne veux pas dire que je suis une spécialiste, non, loin de là, mais c'est un art que je suis, que je pratique, entre guillemets, depuis très longtemps. Donc la région aide de plusieurs manières, hein. Elle aide à la diffusion, elle aide à la réalisation, elle soutient également certains dispositifs tels que les lycéens au cinéma. Donc elle est très ouverte à l'art cinématographique, très attentive, et j'espère que ça va durer, voilà, et que les arbitrages continueront à se faire. Ces bonnes paroles, ça fait toujours plaisir à entendre. Et donc nous allons passer maintenant au palmarès, et donc je vais demander au jury de venir à côté de moi. Alors, monsieur Vincent Dieu, président. Zoé Chantre, Cécile Moudi, Nicolas Devine, Clément Vergia, voilà. Alors, je pense que vous êtes maintenant, au niveau du public, vous êtes familiarisés avec ces cinq personnes.
Vincent Dieu va revenir de voir son très très bon film. Clément, donc, qui est lycéen à Tabarly. Zoé, donc, vous avez vu également le très beau film cet après-midi, juste après celui de Cécile Demody, qui est juste à côté. Et donc, Nicolas Thévenin, qui a, je crois, dans ses bagages des exemplaires de sa revue Réplique. Et c'est une très belle revue. Et si vous avez envie de la consulter, je pense qu'il faut demander à Nicolas. Il sera tout heureux de vous la faire découvrir. Voilà, donc je vais maintenant donner la parole à monsieur le président du jury pour qu'il nous donne son palmarès. Voilà, mais donc vous aurez pu constater aussi qu'on a vu 20 propositions très 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 différentes les unes des autres, difficiles à évaluer. Donc évidemment, tout ça est très subjectif et comme on avait le privilège de pouvoir remettre plusieurs distinctions. Alors on l'a fait, on ne s'est pas privé de le faire et chacun a un peu défendu son préféré et puis en même temps il s'est trouvé qu'il y en avait beaucoup en commun, donc je pense qu'au bout du compte, voilà, on a 5 personnes à remercier pour leur joli film, leur beau film. Et donc, il y en a un, tout d'abord, qui a un prix qu'on a appelé le prix SWAG. Je ne connaissais pas ce mot, mais trop SWAG, même. Et c'est Clément, donc, c'est ça, qui va nous dire de quel film il s'agit. Alors, le prix SWAG est remis à Il en faut peu. Ça serait bon de pouvoir citer les auteurs. Oui, alors ce sont... Il en faut peu de... Alors, Bison Janière, c'est ça. Juliette Leduc et Célia Pion, et donc qui sont toutes les trois élèves du lycée Renoir. Voilà, donc tu leur diras de notre part qu'elles ont le prix trop swag. Voilà. Parce que comme on annonce trois réalisatrices et que c'est un homme qui arrive sur scène, je voudrais voilà, ôter tous les doutes. C'est trois de mes élèves, je suis enseignant en cinéma au lycée Renoir à Angers. Nous avons participé l'an dernier déjà au concours autobiographique que les élèves apprécient fortement. Cette année, il y a une petite particularité que j'ai souhaité rajouter. On a fait un travail qui se passait sur deux continents, puisqu'il y a une amie à moi, réalisatrice, qui est partie en Palestine pour faire un travail d'autobiographie avec des jeunes palestiniens dans les conditions qu'on connaît il y a pratiquement un an, jour pour jour. Et du coup, j'ai souhaité, moi, donner une contrainte supplémentaire aux miens d'élèves, en leur disant qu'il fallait faire une autobiographie, mais que la notion du bonheur était importante, ou dans le bonheur qu'on connaît, ou dans la recherche du bonheur. Donc vous avez peut-être vu quelques films qui tournaient un petit peu autour de ce bonheur. Et donc voilà, les filles ont fait ce film aussi en regard de ce sous-thème. Sauront maintenant qu'elles ont un prix trop swag. Les prix sont des billets d'entrée au Festival de la magie de Sur-Mer. Merci pour elle. Alors, on a aussi décidé de remettre un prix Claire Bretéchet. Le prix Claire Bretéché, c'est pour À travers mon petit trou de Elena Frin. Voilà, en fait, c'est un montage diaporama, mais
J'étais contente qu'il soit pris dans la sélection parce que c'est une forme qui n'est pas vraiment filmique. Il y a une adaptation de vidéo, une machine à laver. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi Claire Bretéché? Parce qu'on a cherché comme ça quelqu'un qui avait un ton un peu d'autodérision et en même temps qui ne soit pas seulement dans la moquerie, un peu de tragique derrière aussi. J'ai trouvé que ça correspondait bien à l'esprit de ce film. Oui, ça me fait plaisir. Ça m'a protégé, oui, ça me va bien, je pense. Merci beaucoup. Soit également. On a aussi décidé de remettre un prix œcuménique. Et c'est Zoé Chant qui va nous dire quel est le prix œcuménique off. Donc, le grand prix œcuménique, il s'agit de Petit Frère en Église, de Benjamin Hamelin. Merci beaucoup. Maxime me demandait justement, ça veut dire quoi, œcuménique? Le prix œcuménique, c'est un prix qui existe dans un autre festival un peu moins connu qui s'appelle Cannes, mais qui existe quand même, et qui est un prix qui est remis par les dignitaires des trois religions monothéistes. Et donc, ben, je crois que même qu'il y a les orthodoxes dans ce cas. Et qui est remis chaque année au Festival de Cannes, donc on a trouvé que c'était normal. Et en plus, c'est un très très beau film, donc on ne savait pas, comme il y avait ce rapport avec la spiritualité. Et c'est un prix que Pasolini a eu, donc ça va, c'est pas... le Théorème a eu le prix œcuménique du Festival de Cannes, donc le prix œcuménique du off de Hollande, ça paraissait très bien. Dans le prix œcuménique, là, dans la boîte, qui est offerte par TV Vendée, il y a du vin de Metz. Soit aussi. Alors, Festival Off 2013, nous avons aussi, là on passe aux choses sérieuses, un prix Marguerite Duras. J'y tenais beaucoup, c'est une cinéaste que j'aime beaucoup. Je sais qu'elle écrit aussi, mais moi j'ai eu beaucoup d'influence sur moi en tout cas. Et donc, c'est Nicolas qui va remettre le prix Marguerite Duras Off 2013. Alors, le prix Marguerite Duras du Hollande Film Festival 2013 est attribué à Hôtel Barcelone de Benoît Labourdette. Alors, je montre le prix, donc c'est un beau livre, il pèse sur moi. Malheureusement, Benoît, qui devait lire, enfin, il avait promis il y a 6 mois qu'il avait retenu son week-end, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, et ben, il n'est pas venu. Donc, et ben, on lui fera parvenir son livre. Voilà. Merci pour lui. Et peut-être qu'on peut annoncer le prix du public d'abord, avant le Grand Prix. Avant le Grand Prix, avec plaisir. Alors, que je ne mélange pas les pinceaux dans mes cadeaux. Donc, le prix du public. Alors, ce qui est assez amusant avec le prix du public, c'est qu'il y a deux films qui sont arrivés vraiment au coude à coude, on va dire. Et donc, bon, il y en a un qui est le premier, mais je parlerai aussi un petit peu de celui qui est le deuxième. Alors, celui qui est arrivé premier, il gagne, alors je vais vous décrire quand même, il gagne aussi des places pour le Festival de la Magie, les sites culturels de Vendée, hein, il gagne un petit caméscope de poche qui est offert par Super. Et puis, on a aussi la Vendée vue du ciel. Donc, tous ces jolis cadeaux vont aller à quelqu'un qui a fait un film donc, qui a beaucoup plu, apparemment, qui a frôlé à un cheveu
la moyenne de 2, sachant que la note maximale est 3, c'est quand même pas mal. Et c'est attribué donc au film « Faites attention aux amis » de Rémi Douance. Que tous ceux qui étaient à cet après-midi se rappellent du film. C'est... Alors malheureusement, Rémi, lui, il s'est cassé le gros orteil. Il s'est cassé le gros orteil et donc du coup, il ne peut pas être parmi nous. Donc c'est pareil, je lui ferai parvenir ses jolis cadeaux par les moyens postaux les plus rapides et dans les délais les plus brefs. Alors ceci étant, comme il y a... ça s'est vraiment joué à très très peu de choses entre le premier et le deuxième. Je voudrais quand même annoncer le deuxième et lui offrir par la même occasion la Vendée vue d'en haut, parce que j'en ai plein à fourguer. Le film qui est arrivé en deuxième position et très très près du premier, c'est Easter Rabbit de Madame Vendée. Là, on a enfin une gagnante qui est là, donc c'est bien. Voilà, donc pour vous, donc le film, on a longtemps pensé qu'il était en tête, mais ça s'est joué à deux ou trois points de différence. Oui, alors je vous remercie beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi ce film s'appelait Easter Rabbit. Parce qu'en fait, on le voit tout au début. Le Easter Rabbit, c'est le lapin en chocolat qu'on donne aux enfants, surtout dans les pays anglo-saxons, et qui se casse dès le début. Voilà, et je voudrais rajouter à propos du prix du public, parce que bon, c'est bien. Alors, j'ai toute la liste, hein, si vous voulez savoir exactement où se situe votre film dans le palmarès. Je pourrais vous le dire en confidence, mais je peux dire que le troisième, enfin celui qui est arrivé troisième au niveau du public, c'était de nouveau Il en faut peu, donc bravo Renoir, c'est bien. Voilà, grand prix du jury. Alors voilà, le grand prix du jury est attribué à Je ne suis pas une voiture de Happy Carole. Carole Content. Et juste un petit mot pour nous justifier, puisque c'est vrai que c'est un choix presque unanime, mais en même temps qu'il n'était pas évident. C'est un film un peu foutraque, un peu comme ça, over the top, mais en même temps qui, à chaque image, nous a paru. Risquer des choses, essayer des choses, voir justement nous montrer des choses qu'on n'avait jamais vues, ce qui n'est pas souvent le cas au cinéma. Et donc, on a pensé que c'était quand même la chose la plus importante, hein, quand on prétend à faire des films, c'est de, à chaque fois, se dire qu'est-ce que ce film-là, en quoi est-il, il n'y a que moi qui pouvais le faire. Et en quoi va-t-il changer toute l'histoire du cinéma? Et bon, évidemment, c'est un vœu pieux, mais il est vrai que ce film a une espèce de liberté, d'audace formelle qui nous a tous frappés. Et donc, on a décidé de le récompenser le mieux qu'on pouvait. Voilà. Donc, avec le Grand Prix du jury, off 2013. Donc, merci pour Carole, qui elle, alors, qu'est-ce qu'elle a, son fils qui est malade? Alors, ça, l'autobiographie. C'est dur. Je suis en train de lui envoyer la vidéo. Voilà. Et donc, le Grand Prix, c'est l'intégrale Pierre Etex, grand cinéaste et grand autobiographe de l'éternel, qui est offert par Petite Lanterne. Parce qu'on s'est dit qu'on... Voilà. Justement, aussi quelqu'un qui, même si on n'aime pas tous ses films, à chaque fois, il se demandait qu'est-ce que je change, qu'est-ce que j'essaie. Je crois que c'est très important. Voilà, donc c'est pas fini. Voilà,
Voilà, et puis aussi, juste au nom du jury, on voulait aussi remercier tout le monde hein, pour l'accueil et, la petite espèce de tendresse comme ça qui règne et qui est très agréable. Voilà. Merci. Merci, merci à vous. Et il faut juste rajouter que c'est juste un plaisir immense d'avoir le luxe de passer 24 heures au cinéma ici avec vous. Enfin voilà, c'est merci. Merci à toi. Est-ce que vous pouvez faire descendre les lauréats? Ben oui, demandez aux... Voilà. Voilà. Alors, est-ce que les lauréats présents dans la salle ceux qui sont là, donc il y a Mathieu, Benjamin, Elena, les journalistes, il n'y a que les stars qui vous intéressent. Non, parce que je vais vous mettre sur le journal aussi. Oui, tu viens. Corinne, j'ai rien gagné. Si tu le présentes. Mémoire d'un tricheur, c'est le livre qu'avait écrit Sacha Guitry au préalable. Donc, le film que vous allez voir, Le roman d'un tricheur, est un film de Sacha Guitry de 1936. Alors, beaucoup de personnes ici, j'imagine, connaissent très bien Sacha Guitry. Est-ce qu'il faut... Non ? Il y a des gens qui ne connaissent pas bien ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien Sacha Guitry ici ? D'accord, donc c'est important d'en dire... deux ou trois choses. Donc, Sacha Guitry est le fils d'un des plus grands acteurs de théâtre de la fin du 19e et surtout du début du 20e siècle, qui était Lucien Guitry. Et Sacha Guitry est né en 1885, il n'est pas né en France, il est né à Saint-Pétersbourg. À ce moment-là, son père vivait à Saint-Pétersbourg. Et donc, il a vécu quelques années là-bas. Et donc, Sacha Guitry, très très jeune, s'est intéressé énormément au théâtre. Et très très vite, il a commencé à écrire des pièces de théâtre. Et très très vite, je crois qu'il avait moins de 20 ans quand on a monté ses premières pièces de théâtre. Et tout de suite, ses premières pièces de théâtre ont été des succès énormes. Il a été sans doute l'homme de théâtre qui a eu le plus de succès au XXe siècle, et c'est même certain. On en parlera. Il est auteur de 126 pièces qui ont été jouées en public, et je pense que ça doit être 126 succès. Enfin, c'est assez incroyable. Et donc, Sacha Guitry est un fou de théâtre. Par contre, malgré une expérience très insolite et très intéressant dans le cinéma, c'était quelqu'un qui n'aimait pas le cinéma. Alors, en 1915, il avait 30 ans, il a fait un travail qui existe aujourd'hui encore, on peut encore voir aujourd'hui. Il a décidé, c'était au moment de la guerre de 14-18, de filmer quelques-uns des plus grands artistes français du XXe siècle, comme Auguste Renoir, Rodin, Anatole France. Il en a filmé, je crois, 9 ou 10. C'était des amis à lui, c'était des amis de son père d'abord, puis des amis à lui, c'était des proches de lui. Et il a fait des sortes de cinématons, d'une certaine façon, à sa manière.
Il les a filmés en cinéma muet, il les a filmés, on voit Auguste Renoir en train de peindre, on les voit un peu dans leurs activités, et ce sont des documents exceptionnels sur ces personnages qui souvent n'avaient jamais été filmés. Et dans les années 1950, Serge Guitry en a fait un film qui s'appelle « Ceux de chez nous », où il explique pourquoi il a fait ce film. Donc là, il y a du son, pour chaque personnage qui est filmé, il explique comment ça s'est passé. Donc c'est un film qui doit faire, je ne sais pas, 35 minutes, 40 minutes. Voilà. Donc il a eu une expérience cinématographique qui était, il avait compris l'essence même du cinéma, qui était de nous restituer des moments d'une mémoire. Mais ensuite, le cinéma, il était toujours muet, et lui, qui était un homme de théâtre, le cinéma muet ne l'accrochait pas du tout. Il aurait pu s'intéresser au cinéma, mais il ne s'intéressait pas, il était même contre le cinéma. Et même au début du cinéma parlant, on aurait pu se dire, voilà, Serge Guitry, il va s'intéresser au cinéma. Pas du tout. Même au début du cinéma parlant, il ne s'intéresse pas au cinéma. Il écrit même des textes contre le cinéma en disant que c'est un art mineur. Mais il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. En 1934 ou 1935, on lui propose de faire un film. On lui propose de faire un film sur la vie de Pasteur. Et on en profite aussi pour lui dire, écoutez, ça serait bien de faire aussi un film plus court qui serait présenté en première partie de ce film sur Pasteur. Donc voilà, vous avez un budget pour faire deux films. Et en fait, le film qui est censé être un court-métrage, qui va devenir un long-métrage, ça s'appelle Bonne Chance. Et en fait, c'est le début un peu de la carrière cinématographique de Serge Guitry, qui va tourner beaucoup, beaucoup de films à partir de ce moment-là, jusqu'en 1957, je pense, le dernier film qu'il a réalisé. Il a tourné 36 films, donc quasiment deux films par an, malgré l'époque de la guerre, où il a beaucoup moins tourné. Donc il est devenu un fan total de cinéma. Il a changé du tout au tout. Et dès ses premiers films, c'était un succès énorme. C'est-à-dire tous les succès qu'il avait au théâtre, au cinéma, c'était la même chose, c'était des succès énormes. Et ça a marché tout de suite. Et alors, au cinéma, il a transposé un certain nombre de ses pièces au cinéma. Et donc, près de, je crois, je n'ai pas le chiffre exact, c'est au moins une quinzaine de ses pièces qui ont été adaptées au cinéma. Mais quand il a adapté ses pièces, ce n'est pas du théâtre filmé. À chaque fois, c'est une remise en scène de ses propres pièces. C'est une exploration de l'espace qui est complètement différente de l'espace théâtral. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris tout de suite que faire du théâtre filmé n'avait aucun intérêt. Si on faisait un film à partir d'une pièce, il fallait tout repenser au niveau de l'espace, au niveau du jeu des acteurs. Bon. Alors, le film que nous allons voir, le roman d'un tricheur, c'est un de ses premiers films. C'est un film de 1936, ça doit être son quatrième ou cinquième film. Et donc, c'est un film qui est fait à partir d'un de ses romans. Ce n'est pas fait à partir d'une pièce de théâtre, c'est un roman qui s'appelle « Mémoire d'un tricheur ». Voilà. Et donc, dans ce film, Guitry a une idée géniale qui n'avait jamais été mise en pratique au cinéma. C'est de raconter une histoire avec tous les personnages d'un film. Il y a tous les personnages, mais ces personnages ne parlent pas. C'est lui qui fait un commentaire en voix off. C'est un film qui est quasiment entièrement fait en voix off. Et ça, c'est révolutionnaire à l'époque, ça n'a jamais été fait. Ce qui fait que, au niveau du succès, ce film aura moins de succès que les autres, parce que les gens sont un peu déboussolés, on n'a jamais vu ça au cinéma. Et ce film aura, par contre, énormément de retentissement parmi les critiques de cinéma, les cinéastes, qui vont se dire, mais ça, c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle façon de faire des films. Et je ne sais pas comment Orson Welles a vu ce film, mais Orson Welles a vu ce film, il a été subjugué par ce film, et dans toutes les interviews, ensuite, il a dit que s'il n'avait pas vu le roman d'un tricheur, jamais il n'aurait fait Citizen Kane. C'est quand même intéressant de le savoir. Et donc, ce film a été aimé par les cinéphiles, et petit à petit, il a trouvé un public, le film est ressorti après-guerre, et c'est devenu un classique. Et il y a eu un certain nombre, vous savez, les historiens du cinéma sont très friands de référendums. Périodiquement, on classe les 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et dans un référendum dans les années 2000, peut-être 2004,
Claude Jean-Philippe, que vous connaissez peut-être, qui était le présentateur, enfin, celui qui choisissait les films du Ciné-Club d'Antenne 2, à l'époque, puis de France 2, a organisé un référendum avec 78 historiens du cinéma, et Le roman d'un tricheur fait partie des 100 plus grands films de l'histoire du cinéma. Donc c'est, voilà, c'est quand même important de le préciser. Alors, ne soyez pas déboussolés. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que ce n'est pas évident. On est un peu surpris, mais laissez-vous aller, parce que Guitry a un talent tellement incroyable de conteur qu'on se laisse porter. Vous allez être normalement porté par son histoire. Alors, vous allez voir, c'est Mémoire d'un tricheur. Un tricheur, c'est pas un tricheur dans la vie, c'est un tricheur dans le jeu, dans les casinos. Alors, il y a une anecdote très amusante, parce que Guitry avait toujours des anecdotes ou des bons mots pour tout, et il expliquait qu'il avait perdu beaucoup d'argent dans les casinos, et que grâce à ce film, c'était une certaine forme de compensation, parce qu'il avait été payé pour faire ce film, il avait été très bien payé pour faire ce film, et d'une certaine façon, tout ce qu'il avait perdu avant, en fait, c'était des études pour ce prochain film qu'il allait faire quelques années plus tard. C'était une sorte de, voilà, une sorte de travaux pratiques. Il utilise le mot travaux pratiques pour un film futur. Et donc, je trouve que c'est assez amusant de perdre beaucoup d'argent dans le jeu et puis de se rattraper en faisant un film, en faisant de l'art, parce que souvent, en faisant de l'art, on perd de l'argent. Bon. Alors, vous allez voir. Dans ce film, il y a aussi une galerie de femmes. C'est très important, parce que si le rôle principal, c'est Sacha Guitry, la plupart des films de Sacha Guitry, l'acteur principal est Sacha Guitry. Et dans ce film, il y a Jacqueline Delubac, qui est sa troisième femme, avec qui s'est marié en 35 ou 34. En tout cas, je crois que c'est 35, puisque à ce moment-là, Guitry avait 50 ans, elle en avait 25, et quand ils se sont rencontrés, il lui a proposé le mariage, il lui a dit, voilà, j'ai 50 ans, vous avez 25 ans, je vous propose d'être ma moitié. C'est quand même très beau, quand même, de dire ça. Et ça a marché, ils se sont mariés. Il a commencé à faire des films avec elle, c'est-à-dire une bonne chance, le premier en 35, c'est avec Jacqueline Delubac dans le rôle principal, qui était une personne qui n'avait jamais joué ni au théâtre, je pense pas, en tout cas jamais au cinéma, et qui est excellente. Donc dans ce film, vous allez voir Jacqueline Delubac, d'ailleurs qui joue le rôle de la femme de Sacha Guitry. Mais c'est un rôle, il divorce très vite, vous allez comprendre dans l'histoire. Il y a aussi cette fameuse grande actrice Marguerite Moreno, qui fut une très grande actrice du cinéma français d'avant-guerre. Vous allez voir aussi, pour moi, l'une des plus grandes chanteuses du XXe siècle, et peut-être la plus grande chanteuse d'avant-guerre, c'est Fréhel. Alors Fréhel, elle chante une chanson dans ce film. Il faut savoir aussi que Fréhel, à partir des années 30, elle a fait une carrière de comédienne, notamment avec Duvivier, le film qui se passe dans la Casbah avec Jean Gabin, Pépé Loco, et qui joue aussi un rôle, un très beau rôle dramatique dans un film que je vous conseille absolument si vous avez l'occasion de le voir un jour. C'est un film de 1939, c'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes de 1939, mais au dernier moment, le festival n'a pas eu lieu à cause de la guerre. C'est un film de Christian Jacques, et qui s'appelle L'Enfer des Anges, qui est un film exceptionnel, que je conseille à tout, avec Guluji notamment, et c'est un film qui se passe dans ce qu'on appelait la zone. C'est-à-dire la zone, c'était tout le tour de Paris, l'emplacement, c'est où a été construit le périphérique. Et avant la construction du périphérique, c'était des terrains vagues, c'était des gens très, très recherchés par la police qui se cachaient là, c'était des endroits peu recommandables où les Parisiens ne mettaient jamais les pieds. Et donc c'est un film entièrement tourné dans la zone, dans la partie du 13e arrondissement. Donc ce film n'est jamais sorti en DVD, mais j'ouvre une parenthèse, j'en profite pour vous le conseiller, parce que c'est vraiment un film à voir. Donc Sacha Guitry est devenu un fou de cinéma, mais tout en continuant sa carrière théâtrale, c'est-à-dire que parallèlement, il tournait un film, il mettait en scène une pièce, mais déjà il écrivait, il la mettait en scène, et cela jusqu'à sa mort. Je pense qu'il est mort en 1958, sauf erreur, et les dernières années de la vie de, de,
de Guitry a été très difficile pour lui parce qu'il était très malade, il était sur un siège roulant, et il continuait à tourner film sur film. Et il y a même, par exemple, son dernier film, il a jamais été présent sur le tournage. C'est-à-dire, il a mis en scène un film sans être présent. Ça, c'est, il n'y a quand même pas beaucoup de metteurs en scène qui peuvent signer un film. Et les acteurs venaient le voir le matin à 8h chez lui, dans son hôtel particulier. Ils restaient une heure avec lui, et pendant une heure, il leur expliquait le jeu pour chaque acteur. Et les acteurs, à 9h, partaient directement sur le plateau. Il y avait aussi un film, je pense que c'est le Napoléon, où il y avait des séquences qui étaient tournées dans les Alpes du Sud, à plus de 1000 mètres d'altitude. Et à ce moment-là, les médecins lui interdisaient d'aller en altitude à cause de son cœur malade. Et donc, il donnait ses consignes par téléphone. Il était son assistant, donc, mettait en scène. Et c'est lui, par téléphone, qui donnait plein de directives. Et le tout dernier film de Sacha Guitry, La vie en deux, je crois, c'est ce titre-là. En fait, Guitry ne l'a pas signé, c'est son assistant qui l'a signé. Il y a tellement de choses à dire sur Guitry, mais... Il faut voir. On y va. Bon, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de parler après, mais... Juste une petite chose, soyez attentifs au générique du film, parce que le générique du film est aussi révolutionnaire. C'est la première fois qu'un générique de film est présenté, comme vous allez le voir, mais je ne dis pas comment. Au début du film déjà. Au début du film. Oui. Dans tous les films de Sacha Guitry, le générique, c'est déjà un film dans le film. Oui. C'est-à-dire qu'il a compris qu'un générique, ça pouvait être, on pouvait en faire une œuvre d'art.